Scotché, on est tous installés. Oui, oui, je le vois. Quelle histoire allez-vous nous raconter? Oh oui, qu'est-ce que vous allez nous raconter aujourd'hui? L'histoire de Monsieur Wang qui achète de bois haricots. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? On l'a entendu au bois haricots. Oh, c'est pas ma maman. Gentil, racontez-nous une autre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, une autre histoire et une autre histoire. Oui. Bon, mais taisez-vous. D'accord. Je dois la trouver, je dois réfléchir un peu, les enfants. Oui, j'ai trouvé. Alors maintenant, fermez tous vos yeux et écoutez. Il y a très longtemps, c'était à l'époque de la dynastie Ming. Mais c'était quand l'époque de cette dynastie? Oh, tu te préoccupes de savoir ça. Ferme les yeux et écoute maintenant. Ming était la dynastie après celle de Yuan et avant celle de Qing. Dans la ville entourée par les montagnes, une chose étrange est arrivée. Il y avait le temple de Lortung. Oui, Lortung était vénéré par le peuple. Toute sa vie, il l'avait consacré au pays. On avait d'ailleurs élevé une statue en son souvenir. Oh, c'était un très beau temple. Chaque jour, il était rempli de fidèles. Chaque année, juste avant la fête de la lanterne, le maire venait le vénérer. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde dans les rues et ils venaient tous pour vénérer Lortung. Mais voici qu'arrive le maire et tous les notables de la ville. À terre! À terre! Lortson. Bonjour. Monsieur Wang, demandez à Monsieur Chao et aussi à Mademoiselle Yuku de venir ici. Lortson veut voir Maître Chao et Mademoiselle Yuku. Lord Tzu. Eh bien, je vous ai fait venir car je voudrais discuter avec vous deux et avant que la cérémonie ne commence. Lord Tzu, nous sommes à votre service. Bien. Vous savez que personne n'a jamais oublié les mérites de Lord Tzu. Longtemps, il avait anéanti les rebelles de ce pays. Il avait aussi capturé leur chef Pima. J'ai entendu dire que le frère de ce Pima se montre à nouveau. Ça va être la fête de la lanterne et j'ai peur qu'il n'en profite pour se faufiler dans la ville. Je compte sur vous deux pour l'attraper. Nous ferons l'impossible, Lord Tzu. Lord Tzu, maire de notre ville et chef de nous tous, te voici afin de vénérer Lord Tung. Tu dois, comme tout le monde, tu dois payer ton tribut. Nous acceptons tes offrandes. Lord Tzu, as-tu toujours du respect envers Lord Tung? Maître Che, c'est un grand honneur pour moi que de pouvoir être là pour vénérer Lord Tung. Et c'est une grande pénitence, oui, que de ne le faire qu'une fois par an. Tenez là. Je brûle des encens. Je t'offre des fleurs. Je t'offre des fruits et de la nourriture. Ah, Lord Chief, c'est une histoire fantastique. Oui, c'est vrai.
Vénérer les sages est une grande tradition, mais la fête de la lanterne commence bientôt. Mais quelque chose va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Le gardien de la prison rencontre un fantôme la nuit. C'est bu, idiot. Hein? C'était un quart. C'est pas assez, c'est rien. Tu bois trop vite, tu as ingurgité cette bouteille d'entrée. Ah. Bon, ben, je vais travailler maintenant. Une minute. Ah, écoute, je te paierai demain, oui. Oui, tu dis toujours demain. Et demain, tu diras encore demain. Si tu ne paies pas demain, écoute bien, tu ne boiras pas. Sois tranquille, je te paierai. Je dois m'en aller, c'est l'heure. Au revoir. Va te faire pendre. Oh. Ça doit le faire cher. Messieurs, suivez-moi. Je vous en prie. Et voilà. Quel thé désirez-vous? Vous avez combien de sortes? Beaucoup. Pour moi, un thé clair. Et pour moi, ce sera au bambou. Au bambou? Oh, vous êtes sûr? Je n'ai pas ça. Allez, donne-leur à tous les deux un thé Lung Ching, je paye. Très bien, monsieur. Le patron n'aime pas les plaisanteries et vous aurez jeté dehors. Ne soyez pas idiots, hein. À la pleine lune, le 15 de ce mois, la neige tombera sans aucun doute. Vous êtes Longo, hein? Oui, je vous attendais. Où en sont les choses? Très bien, c'est OK. Les gens viendront quand? Ils sont là très tôt le matin. Est-ce qu'il y a autre chose? Au sujet de ce Siatao. Oui, il sera là quand ce sera nécessaire, n'est-ce pas? Monsieur Wu, j'espère que vous le connaissez bien, ce Siatao. Seuls nous ne pourrons nous introduire dans la maison de Lord Tong. C'est impossible, nous ne sommes jamais venus dans cette ville. Allons, nous verrons ça plus tard, nous en discuterons. Merci. Et maintenant, je dois vous dire, nous ne savons pas ce que c'est que le thé Lung Ching. Non, nous n'en avons jamais bu, c'est vrai. Un peu de silence! Silence! Taisez-vous, écoutez ce qu'il a à dire! Ah oui. Messieurs, écoutez tous. Regardez cette petite chose, c'est une arme très efficace. Elle s'appelle la force royale quand le roi la tient. Elle s'appelle le choc du tigre quand le général la tient. Et elle s'appelle le bois foudroyant quand le maire la tient. Messieurs, quand vous raconterez cela aux bandits, ils en mourront de peur. Ah, vous ne croyez pas à son efficacité, pourtant elle est mortelle, croyez-moi. Dans les provinces de Shanxi et de Yangshu, mais qu'est-ce qu'il y a? Dehors, eh bien, j'ai vu un fantôme. Non, deux. Oh, tu as trop bu, hein, comme d'habitude. Tu es ivre. Allons, sors d'ici. Non, maître, je ne suis pas ivre, j'ai bien vu. D'accord, je te crois. Mais tu vas t'en aller. Non, venez voir, c'est vrai. Ah, ça suffit, va-t'en.
Dans les provinces de Shanxi et de... Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? J'ai rencontré un fantôme, c'est vrai ce que j'ai dit. C'était deux fantômes sans tête. C'est stupide. Croyez-moi, c'est vrai. Oh, ce sont des histoires stupides. Non, je les ai vraiment rencontrés tout à l'heure. Non, ça suffit. J'ai du travail. Allez, va ailleurs. Va bonjour, mademoiselle Yuko. Bonjour, monsieur Chao, entrez. Parle, que disais-tu? J'ai rencontré des fantômes, je vous jure, c'est vrai. Eh oui, bien sûr. Ouais. Nous allons t'accompagner. Partons, continue ton travail. Oui, monsieur. Hang a rencontré trois hommes sur sa route, des hommes vraiment très forts. Non, ils étaient quatre, je crois, tous très costauds et en bonne santé. Alors, ces quatre hommes essayaient de se faufiler, mais Jung-Pyong les a repérés tout de suite. Mais eux, ils l'ont aussi repéré, et ils n'arrivaient pas à les arrêter. Quatre contre un, c'est très difficile. Toutes ces lanternes ont été commandées par le maire, vous dites. Elles sont appelées, je crois, les lanternes des bandits, n'est-ce pas? C'est du beau travail, des merveilles. Mais l'ennui, c'est que je deviens très vieux pour continuer. Je vais devoir arrêter. Je n'arrive plus à faire tout. Dis, raconte-moi l'histoire de ces lanternes, s'il te plaît. Oui, une minute. Je te raconte. Celle-ci représente l'histoire du combat de leur Wapa et du barbare Teta. Ça, c'est le combat de leur Tung avec les bandits quand il a capturé Pima. Regarde, Pima est à genoux sur le plancher. Comme Lord Tung était distingué. Comment Lord Tung a tué Pima? Lord Tung ne l'a pas tué personnellement. Il a été tué par le général King. Grand-père dit qu'il ne faut pas tuer. C'est très mal. Oh, Xian, que se passe-t-il? Tu laisses monsieur attendre et tu ne fais pas asseoir mademoiselle Sun? Oh oui, j'ai oublié. Où ai-je la tête? Mademoiselle Sun, venez vous asseoir. Moi, je préfère regarder les lanternes. Oui, laissez-la regarder les lanternes. Ne vous inquiétez pas, elle ne dérangera rien. Oh, mais regardez, regardez, je suis ravi que l'on regarde les lanternes. Merci, c'est gentil. Allez-y. Ouais. Demande à mademoiselle Sun si elle en veut. Tout de suite. Asseyons-nous. Ah, je suis très fatigué. Comment va madame Tung? Il va très bien. Ah, voilà monsieur Wang. Oh, Dantiou. Que fais-tu ici? Je suis venu acheter des lanternes avec monsieur qui? Monsieur Chao, mademoiselle Yuko. Monsieur Wang est ici pour prendre ses lanternes. Entrez, monsieur Wang. Oh, je passe, c'est tout. Je vous présente monsieur Chao et mademoiselle Yuko. Nous patrouillons. Monsieur King, le gardien de la prison a vu des choses plutôt étranges cette nuit aussi. Mademoiselle Sun est très jeune. Nous ne pouvons pas parler de ces choses devant elle. Nous attendrons tout à l'heure. Bien sûr, je vais la raccompagner chez elle. Frère, je vais la raccompagner. Oui. Je n'avais pas fini de voir les lanternes. Écoute-moi, nous rentrons. Tu reviendras les voir demain. Je viendrai te voir t'entraîner. Dois-je m'entraîner demain? Avant la fête? Oh. Oui, chaque jour. Par tous les temps, tu dois t'entraîner pour chercher à t'améliorer. Tu sais que Chen Wan, ton ami, il est meilleur que toi. Je m'entraînerai dans ce cas, ma tante. C'est très bien. Allons-y. Quelque chose pour vous nourrir. Où est Xiaoxi? Dehors, il travaille son kung-fu. La fête de la lanterne est juste à côté. Il doit se méfier. La maison est dangereuse. Et surtout qu'il ne s'éloigne pas. Ne vous inquiétez pas, je vais leur dire. J'y cours. Thank you.
Pensez-vous qu'ils ont fait des progrès? Bien sûr, ils ont de bons professeurs, et moi, je ne suis pas si fort que ça. Je trouve que tous leurs gestes et mouvements sont excellents, mais ils ont encore besoin de s'entraîner. Ils doivent arriver à se maîtriser. Vous connaissez aussi le kung-fu, Monsieur King? Non, je ne le connais pas. Et c'est vous qui êtes des experts. Vous êtes drôle, car vous avez deux très bons élèves. Oui, mais je n'ai aucun mérite, je n'y suis pour rien, moi. Ils veulent juste que je les surveille. Je ne les jette pas. Ce que vous faites est bien, ils vous écoutent. Mais j'aimerais qu'ils soient avec de véritables combattants, car avec nous, ils n'osent pas. Vous croyez? Voyons, ils ne sont pas assez forts. Monsieur Wing, Monsieur King, ces jours-ci, ce n'est pas très sûr par ici. Surveillez la porte, Monsieur Wing, et protégez Mademoiselle Soon, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chao. Nous ferons attention. Tu sais, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Et puis, il faut que nous patrouillions. Eh bien, moi, j'ai du mal à croire qu'elle peut devenir riche. Comme la fête de la lanterne, c'est juste une fois par an, il n'est pas question que je paie très cher pour une lanterne. Elle a dit ça, elle compte toujours ses sous. Oh, oh, je n'ai jamais vu une pareille radine. Et où est-ce qu'elle habite déjà? Elle habite toujours rue de l'Espoir. Ah. Bichard, mon mari, je dois vous quitter. À bientôt, au revoir. Je t'avais demandé d'acheter une lanterne. Elle est laissée par quelqu'un. Oh, mais ce n'est rien, ne pleure plus, tu es grand. Allons acheter plutôt les lanternes, tu en veux combien? Une seule, c'est assez. Reviens! Combien tu as perdu cette fois-ci, hein? Réponds, je t'ai dit que je voulais de l'argent. Tu en auras, mais laisse-moi tranquille. Tu veux retourner jouer, c'est ça, hein? Tu vas rester là et tu vas rentrer avec moi. Oh, lâche-moi, ça suffit, je vais y retourner. Non, je ne veux pas. Assez. Tu n'y auras pas. Tu as compris cette fois-ci? Ah, où c'est? Pourquoi il t'a fait ça? Sors de là, si je veux que je cherche tout seul, tu ne peux pas t'attraper, hein. Moi, je suis arrivé, tu vois. Maintenant, retourne à la maison, travailler. Sinon, tu ne verras pas les intérêts. Hey. Ah, où c'est? Attention, ne perds rien, surtout. Oui, maître. Allons, entrez. Monsieur, nous allons vous préparer une table. Je vous en prie. Tu sais, personne ne va te voler ce qu'il y a dans ton assiette. Tu sais aussi qu'il faut manger moins vite, Chin-Yuan. Ah oui, tu dis qu'il n'y a que les femmes qui doivent manger lentement. Tu es stupide. Non, c'est assez. Ah, si tu veux devenir grand et fort... Tu dois manger davantage de légumes. toi d'abord. Dis ce que tu veux dire. J'ai entendu M. Chao dire qu'on n'était plus en sécurité ici.
Peut-être que c'est parce que Pimauve sera Mandy. Ne parle surtout pas de ces choses. Ce sont des rumeurs, Chin Yuan. Et madame ne doit pas les entendre. Je voulais que tu le saches, toi seule, grand-mère. Je sais, monsieur Tung et madame ont toujours été très bons avec nous. Et les parents de Xiao ne sont pas là et tu dois prendre soin d'elles. Tu vois que j'ai de la mémoire, grand-mère, hein? Tu es un bon garçon, Chin Yuan. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans la ville ces jours-ci. Alors écoute, pas question d'emmener Xiao Shi n'importe où. Tu sais, je ne fais que ce qu'elle désire, je dois obéir. Chin Yuan! Tu entends, c'est elle, j'y vais. Il ne faut pas sortir d'ici, c'est compris, hein? Hé, grand-mère, va lui expliquer tout ça. À tout à l'heure! Chin Yuan! Xiao Shi! Xiao Shi! Oh, j'ai eu peur, tu sais. Alors, je suis contente. Dis, pourquoi tu me fais peur, hein? Tu es énervant, voilà. Pourquoi? Tu es fâchée? Je te ferai peur, moi aussi, tu verras. La fête de la lanterne était commencée. La foule était dans les rues, des gens venaient de tous les côtés, des marchands ambulants s'installaient. Monsieur Chao, Monsieur Wang et Mademoiselle Yuku étaient très fatigués. Ils patrouillaient la ville sans arrêt, car ils savaient que des mauvais garçons étaient venus dans la cité pour troubler la fête. Malgré leur expérience, c'était très difficile de les repérer. Lord Chi, que vont-ils faire de mal? Oh, laisse-moi m'éclaircir un peu la gorge. Tu peux pas rester tranquille. Si je comprends pas, je pose des questions, voilà. Si tu recommences, je te casse la gueule. Tu crois pas que j'ai peur de toi? Oh, je vais le faire. Eh, vas-y, essaie. Je vais te foutre une raclée. Moi, je vais te la foutre. Mais Pimo et ses collaborateurs voulaient depuis longtemps assassiner Madame Tung et Xiao Shi. Ils voulaient tuer aussi Monsieur King. Ils ont pensé que le meilleur moment, c'était l'époque de la fête. Vous savez qu'elle est commencée. Écoutez et suivez ce qui va se passer. Rentrons à la maison. Qu'est-ce qui te prend, hein? T'es pas inquiet, je t'ai dit que je suis la seule responsable. C'est facile pour toi, mais moi je sais que ma grand-mère, elle va me donner une drôle de tournée. Allons-nous-en, je t'assure que c'est mieux. Écoute, tu m'ennuies, je t'ai déjà dit que non. D'accord, ne rentrons pas. Yeah.
méchant. Partons d'ici. Allons ailleurs. Qu'est-ce que tu veux vraiment voir? Regarde les gars qui sont là. Ce sont des bandits. Ils ont tous des têtes de criminels. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Écoute, je m'inquiète pour toi. Ces gars-là, c'est des bandits. Tu m'ennuies avec tes histoires. Je vais demander à ma tante de te renvoyer. Je ne veux plus de toi. Oh, t'es pas gentil. Où est arrivé? C'est le moment. Nous serons moins fatigués si on s'assoit. Oh. T'as vu? Si on était resté debout, on aurait été blessé. C'est un idiot. Attention! Oh. Tu vois, ce sont des bandits. Allez, viens, partons. Messieurs, vous deviez surveiller Xiao Shi davantage durant ses jours. Alors pourquoi cette négligence? Que faites-vous? Il lui est peut-être arrivé malheur. Je vous ai interdit de les laisser sortir. Partez à leur recherche et trouvez-les. Pardon, c'est ma faute. Pardonnez-nous, madame. Nous les retrouverons. Allons-y. Si elle voulait voir la fête, elle aurait dû le dire, je l'aurais fait accompagner. Ne vous inquiétez pas, madame. Vous savez bien que Qin Yuan est avec elle, il ne peut rien lui arriver, il saura la protéger. Oui, madame Li, je sais ça. Curieux, ils ont disparu. Ouais, ils ne savent pas où nous, moi je vais pas. D'accord. Chante avec moi. Aussi, tu vas descendre. Attends, je veux regarder. Mais arrête! Je peux pas. J'ai vu un des bandits. Si je m'arrête, nous sommes morts. Oh. Oh. Regarde s'il est toujours derrière nous. Oh, c'est très amusant. Amusant? Tu trouves rien d'autre à dire? Manger, voyons. Oh, moi, cette course, ça m'a donné faim. Je mangerai pas tout de suite, là. Tu as raison, je le pense aussi. Tiens-toi prête. Je suis prête. Qin Yuan, je vois. Oh mon Dieu! Oh! 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 O
sont partis maintenant. Au feu ! Tio ! Oh, que dois-je faire, monsieur ? Imbécile, bon à rien, c'est de ta faute tout ça, tiens. Même pas capable d'attraper deux gosses. Vous ne savez rien faire. Seulement boire. Je vais aller tous vous jeter dans la mer. Salaud ! Un instant. Donnons-leur une chance. Attendons cette nuit. Je sais qu'ils feront leur travail. Vous avez toute la nuit devant vous. Essayez de faire mieux. Oui, oui, oui. Allez, sortez d'ici. Oui, oui, oui. Quoi ? Mais tu as déjà fini ? Ah ben, je n'avais presque pas. Soyez gentils, j'en voudrais encore. Ça fait trois fois. Ah, quel appétit. Tu dévores toujours autant, hein? Tu vas être énorme et tu ne pourras plus faire de kung-fu, là. Oh, je mange comme ça qu'une fois par an, à la fête de la lanterne. Oh, tu m'avais fait peur. Mademoiselle Ting. Mademoiselle Soon, vous avez... Oui, j'ai pu déjouer la surveillance des gardes. Mademoiselle Soon habite chez Madame Ting. Oh, Mademoiselle Soon, j'ignorais que tu la connaissais. Moi, c'est la première fois que je... Dis donc, Tanu, que viens-tu faire ici, hein? Oh, je me balade. C'est excellent. Alors, prends-en encore si tu veux, tu es mon ami. Oh, mais mademoiselle, nous avons de l'argent. Non, vous pouvez accepter. Ce monsieur est son oncle. D'accord, oncle? Oui, d'accord. Dépêche-toi de manger. Nous irons tous ensemble voir les lanternes. Ah, d'accord. Dépêche-toi, chérie. Attendez pas, allez-y, je vais encore en reprendre. C'est trop bon. On se retrouvera. Je me demande comment grand-mère va se décider de me punir cette fois. Arrête et pense à autre chose. Chiao-chi, qu'est-ce que tu veux? J'ai l'impression que nous sommes suivis. Oh, sincèrement, tu exagères. Tu les vois partir. Peut-être, on va voir. T'es bien. Laisse-toi. Je crois que tu as raison. Je vais vous lire une devinette. Qui est-ce qui a deux boules sur les épaules et une tour sur la cuisse? En deux mots. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé? Cherchez si vous voulez gagner. Cherchez, cherchez. C'est facile, c'est deux mots ordinaires. Très bien, je relis encore une fois. Qui est-ce qui a deux boules sur les épaules et une tour sur la cuisse? Doucement. Allons, messieurs, allons, mesdames, un effort, un petit effort. Oui, un peu, tu vois. Oui, oui, un peu. Qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, Chinois, tu bouges trop. Allons, messieurs, quel est celui de vous qui a deviné? Qui va gagner le premier prix? Allons, allons, dépêchons-nous, mesdames et messieurs, dépêchons. Chinois, je ne suis pas assez haute, je ne vois rien. Descends, je verrai peut-être mieux. Oh, il y a un cadeau si on trouve. Ouais, mais il faut trouver. Ah, vous voilà. Dites, est-ce que vous avez trouvé une devinette? Non, c'est trop dur. Nous avons gagné tout ça. Oui. C'est pourtant pas facile. Oh, nous connaissons les devinettes. Grâce à son oncle. Il a copié le cahier. C'est très drôle de gagner. Oh, c'est pas juste. C'est vrai que vous connaissez toutes les réponses. Dans ce cas, est-ce que je pourrais y aller? Suivez-nous. Regarde.
Ces deux hommes nous cherchent. Eh bien, nous devons partir. Excusez-nous, mademoiselle Ding. Où allez-vous? C'est ridicule. Laissons-les, ils nous ennuient. Regardez bien. J'ai peur, Chiao. Et moi aussi. Bien. Mais nous sommes encerclés. Pas de panique. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils vont partir tous d'ici comme des lapins. Ça ne doit pas toujours être toi. Les autres vont comprendre. Ils vont se douter qu'il y a quelque chose. C'est la dernière fois. Allez, va. Du calme, ne partez pas. Non, restez, ne partez pas, je vous assure. Revenez. Mais qu'est-ce qu'il y avait ça? Mais revenez, ce n'est rien, voyons. Ne partez pas, voyons. Allons. Mon cher frère. Je t'écoute. Dis, pourquoi toute cette violence? Trouvons un autre moyen pour attraper les enfants. Lequel? Frère. Tais-toi! Tais-toi! Souviens-toi, notre frère Pima a été capturé par Tung et tué par King. Le vieux Ting fait des lanternes. Comment fait-il ces lanternes? Grand-mère. La tête face au mur. Tin Yuan, je t'avais bien dit surtout de ne pas sortir dans la rue. Est-ce que tu sais que Madame Tung et moi avons été très inquiètes? Écoute. La tête face au mur. Je t'avais bien dit que je ne pouvais pas la forcer à m'obéir. Ainsi, tu oses nier tes responsabilités. Non. Oh, mais c'est ce que tu fais. Tu vas rester agenouillé par terre toute la nuit sans dormir. Et moi, je reste à côté de toi. Je vais aller à la maison. Toi, reste là, je t'envoie quelqu'un. Sois prudent. Oui. Oh, monsieur King, c'est vous? Vous ne dormez pas encore? Que regardes-tu, dis-moi? Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose, et cette nuit. Tin Yuan, rentre tout de suite. Les enfants doivent aller se coucher tôt pour se lever tôt le matin. Ouais, mais j'ai pas envie de dormir cette nuit. Et puis c'est mieux parce que je surveille ainsi mademoiselle Shun, car elle est toujours en danger. Monsieur King, Est-ce que je peux rester avec vous? Tu ne veux pas dormir? Non, je reste. Monsieur Chao, tout est prêt. On a préparé les embuscades. Pimo et ses hommes ne sont pas courageux. Monsieur Wing, nous ne devons rien négliger. Faites comme j'ai dit. Oui, monsieur. Je vais regarder les alentours. Oui, je t'accompagne. Pitié, je suis innocent. Je suis innocent.
C'est vrai, je ne sais rien d'autre. Rien d'autre, je ne m'occupe que de mon travail. Je ne fais rien d'autre, je ne comprends rien ce que vous dites. Tu mens. Laissez-le! Monsieur, laissez-le. Il est innocent, il ne sait rien. Laissez-le, c'est un homme honnête. Tiens! Oh, laissez-la, ne la battez pas, laissez-la. Réponds. Sais-tu où est Monsieur King? Je ne sais rien. Arrête un instant. Je te remplace. Cette gosse parlera. Écoute-moi. Tu sais que tes parents sont des imbéciles. Aussi, dis-nous où loge le vieux King. Je n'en sais rien, mademoiselle. Qui a commandé à ton père toutes ces lanternes? Le majordome de Madame Tung. Tu es stupide. Ah! Laissez-la, c'est ma fille, elle ne sait rien. Maître. Alors, dis-moi, où se trouve King? Je jure que je ne sais pas où il habite. Pendez-le! Pendez-le! Lord, je fais appel à votre bonté. Lord, laissez en vie ma fille. Non, tais-toi! Le gardien de la prison, qui avait vu ces choses bizarres, se mit à courir comme un fou. Dans tous les sens. Il était comme fou, il se rendit chez les Toon et tomba dans l'embuscade. Oh! Mais pourquoi l'ennemi était là? Mais Pan, pourquoi n'écoutes-tu pas? Ciao. Il faut agir, c'est très urgent. Partons d'ici. Attention! Ce sont eux, je te suis. Alors? Restons sur nos gardes. Attendez! Chao Yifan, Yoko Cheng. Mon frère Pima a été capturé par Tung et il a été tué par King, sauvagement. Vous avez tué la famille Ting, comment? Occupez-vous de ce qui vous regarde. Nous devons intervenir. Pourquoi les avez-vous tués? Attrapons-le! Des hommes ont été tués. Que dis-tu là? Ah, tu peux voir nos ennemis. C'est arrivé très vite et ils paraissaient nombreux. Xia Tao, qui est cet homme, un démon? Êtes-vous King? Je suis l'intendant de cette maison. Où est ce bandit de King? Je ne sais pas. D'où ça vous poste? Dis où se cache King! En place! Vous désirez le combat? Eh bien, c'est d'accord! Fermez les portes! Ah!
Madame Lee. Oui, vous désirez. Je vous écoute, madame. Pimot et ses hommes sont prêts à se venger. Il n'y aura jamais de répit, sauf le jour où ils seront tous morts. Mon Dieu, madame, j'en ai peur. Pimot ne reculera devant rien, malheureusement. Et moi, je suis très fatiguée. Vous en avez attrapé, hein? Cinq! Non, comptez-les mieux que ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept!
Tu vois, tu sais pas compter, c'est pas sérieux. Oh! Il m'étonnera toujours, cet enfant. Arrête, allons retrouver les autres. Allons-y. Je vais aller voir Madame Tung. Oh, tante Yuku. Xiao Shi, mais que fais-tu debout à cette heure? Eh, je suis là aussi. Dites-moi, il est arrivé quelque chose par ici? Presque rien, et c'était drôle. Et Madame Tung? Ne t'inquiète pas, elle dormait. Elle n'a rien vu et rien entendu. Les enfants, dites-moi ce qui est arrivé. Du calme, Yuku. Bon, puisque c'est comme ça, alors suivez-moi. Voilà, regardez. Je crois que Monsieur King dort. Semble juste et précis. Vous auriez pu la casser, c'est pas gentil. C'est un cadeau de Madame Tung. Oh, grand-père en avait une très jolie en cuivre. Eh bien, je te la donnerai. J'aime bien celle-ci. Monsieur King, savez-vous ce que nous avons vu? Oui, nous avons vu. Eh bien, voyons un peu, qu'avez-vous vu? Monsieur King, vous devez nous dire. Oui, c'est pas gentil. Que se passe-t-il? Nous savons tout! Et quoi exactement? Ah! Vous êtes l'œil du roi! N'en parlez surtout à personne. À une seule condition. C'est quoi? Vous nous prenez avec vous cette nuit. Je dois y penser. Nous combattrons les bandits. Nous pensons que votre réponse est oui.
Monsieur Chao, mademoiselle Yuku, nous sommes dans une petite ville et de plus nous manquons d'hommes qui savent se battre. Aussi, je compte sur vous. Lord Tzu, nous sommes fiers de faire ce travail. Monsieur Chao, il faut protéger le peuple de tout cela. Nous le ferons, Lord Tzu. Oh, frère Chao, tu sais, nous devons les chercher cette nuit pour en capturer quelques-uns et les faire parler. Monsieur Wang. Oui. Réunissez notre jeunesse et allez combattre ces bandits. Tiens, ton vin. Mange ça. Dis. Dis, tu vas pas travailler? J'ai changé de métier. Ah, t'as changé de travail? Ben pourquoi? Tu ne me croiras jamais. T'as déjà vu un fantôme? Sans tête, hein? Voilà que tu es sous, sans avoir bu, où allons-nous? Ah, je te demande pas de me croire. Moi aussi j'ai des doutes. Je me demande si dans ma tête tout est en ordre. Elle ne bouge pas de là. Je dois emmener ce plat. Prends encore des nouilles. Ah, je te signale, je sais combien il y a d'eux. Ah, pour qui tu me prends? Je le connais, c'est un ami. Et je lui fais confiance. C'est vous, mettez-vous là. Il revient tout de suite. Comment cette pièce s'est-elle vidée? Tu te souviens? Nous les avons vus tous les deux qui entraient ici. C'est ça, je venais juste de prendre du thé pour des clients de là-haut. Attention à toi, n'essaie pas de mentir. Mademoiselle, je n'oserai pas avec vous. Comment d'ailleurs pourrions-nous mentir? Lui et moi sommes des gens honnêtes. Monsieur Chao! Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Chao, il s'agit de Monsieur Wing. Il est allé ce matin pour vérifier les cercueils. Quelque chose est arrivé? Personne ne le sait, mais il n'est toujours pas revenu. Madame, asseyez-vous. Mes respects. Je suis sûr que nous allons très vite retrouver Monsieur King. Chao Ching n'est pas en danger, madame. Je peux même vous dire que tant qu'elle est avec lui, elle ne craint rien. Monsieur King est plus rusé que notre ennemi. Je sais que nous devons lui garder notre confiance. Il a toujours défendu les taux. Il est loyal. Il est peut-être sur la piste de Pimo et ses hommes. Moi, j'en suis certain. Nous allons donc attendre la nuit. Ça vaut mieux. Nous agirons seulement demain. Monsieur Sou, recherchez-les. Ils sont sûrement tombés dans une embuscade. Vous le savez, l'ennemi est très fort, monsieur. Monsieur Sou! Madame Tong, excusez-nous. Nous avons du nouveau. Monsieur King est sorti de la ville avec les enfants. En dehors de la ville?
vaut plus sortir maintenant. Et c'est pas l'idéal pour espionner. Mais, va lui demander ce qu'il veut manger maintenant. Oui. Ce sont quelques amis. Des bandits? Non. Partez tout de suite. Avant, je veux du thé. C'est mieux de ne pas insister. Tu cherches des ennuis. Battons-nous alors. Que faites-vous ici? Je veux du thé. Foutez le camp. Serre-moi un thé. Sinon, on va se battre. Non! C'est étonnant. Nous allons prendre le thé et ensuite nous nous battrons. Oui, car j'ai très soif. Ces enfants sont étonnants, ils ont changé. C'est un entraînement extraordinaire. Je crois qu'ils sont tous morts, Monsieur King. Mais j'ai pas vu leur chef, il a dû fuir. Ce n'est rien, nous le retrouverons. Mais va chercher mon chapeau. Oui, Monsieur King. Un instant. Regarde. Attaquons. Tu ne mourras pas, Chao. Si tu tiens la vie, laisse-moi t'arrêter.
mademoiselle. Ne soyez pas si pressée. Pourquoi ne pas discuter? Nous sommes des femmes. Montre-moi le chemin secret. D'accord. Descends. Allez plus vite. Mère, regarde. Oh, mademoiselle Yuko. Oh, mademoiselle, ma honte est grande. Alors, qu'est-ce que tu attends? Libère-les. Tout de suite. C'est fini. Où est monsieur Chao? Au-dessus. Dites au sujet des bandits. Ils ne nous échapperont pas. Merci, mademoiselle Yuko, merci de nous avoir sauvés. Non, levez-vous, voyons. Monsieur Wang. Oui? Emmenez ces personnes chez elles. Je la prends avec moi. J'ai quelque chose à faire. À vos ordres. Pourquoi vous nous avez emmenés avec vous, monsieur King? Pourquoi c'est ces bandits? Cette vieille rue est vraiment très étrange. Elle est ma tante à l'intérieur de ce temple. Je vais voir les alentours. Oh, qu'est-ce que vous allez voir? Tu ne comprends pas. Toi, oui. Oui. Et tu le diras à Chao aussi. Oui. Chin Yuan. Oui, Chao aussi. Je t'écoute. Où va Monsieur King? Allons-nous dans le temple. Tu as promis à Monsieur King de tout me dire. Ouais, il est parti trouver les bandits. Où il a pu disparaître? Tu penses qu'il est toujours dans le coin? Comment est-ce que je peux le savoir? Je suis sûre que tu me caches la vérité. Je ne sais pas où il est. Chin Yuan! S'il te plaît, arrête de crier mon nom, ça me rend nerveux. Chin Yuan! Chin Yuan! Chin Yuan! Pas question, je t'ai déjà dit non. Chin Yuan. Arrête. Depuis que Monsieur King est disparu, tu n'arrêtes pas. Tu cesses pas de m'appeler. Mais qu'est-ce que tu as? Hein? Xiao Shi. Xiao Shi. Qu'est-ce que tu as? Quand tu es entré dans le temple, est-ce qu'il y avait des momies sur l'autel? Tu t'en souviens? C'est possible. Oui, il y en avait une. J'en ai bien sûr. Regarde derrière toi. Ne m'effraie pas. Chin Yuan. Tais-toi et allons voir. Chin Yuan, soyons prudents. Oh, regarde.
arrêtons. Fuyons, c'est un piège. Oh, tu manques de courage, Chen Yuan. Tu en veux un? Eh ben, je vais y aller. Aïe. Qu'il va revenir. Pourquoi tu as crié? Si j'avais pas crié, tu serais pas venu. Oh! Va-t'en! Ha ha ha!
Chinyuan, où est Monsieur King? Je ne sais pas et je trouve ça étrange, mais partons d'ici. Non. Ça aussi c'est étrange, les hommes qui nous ont attaqués tout à l'heure dans le temple. Attends, nous devons d'abord savoir ce que représentent ces statues et ce qu'il y a derrière. Oui. Mais que voulez-vous découvrir des points? Oh, c'est vous, Monsieur King. Oh, il y a quelques minutes, deux hommes ont cherché à nous attraper. Viens me raconter ça ici. Xiaoxi! Xiaoxi! Tu n'as donc rien compris? Monsieur King, c'est aussi un bandit. Qu'est-ce qui te prend? Crois-moi, il veut te tuer. J'en suis sûre. Partons d'ici. Oh! Viens! Allons de ce côté! Oh! Entends, viens! Oh. Allô! Lâchez-moi! Lâchez-moi tout de suite! Tu ne peux plus t'échapper, Chinyuan. Tu as pu t'échapper avec eux, mais pas avec moi. Je vous ai suffisamment laissé jouer, hein? Je ne suis pas un bandit. Je me sers de vous pour vous échanger avec madame et parlementer. Oh, ma tante Yuku! Oh! Grand-mère! Chinyuan, ne m'appelle donc plus grand-mère, hein? C'est mon grand-père! C'est lui, l'œil du roi! Bonjour, King. Tu es resté longtemps silencieux dans l'ombre. Tu ne pouvais pas me tromper. Dès le début, je t'ai soupçonné. Allez, parle! Ma perle a été volée par Pimaï il y a très longtemps. Lortoun l'a capturée et lui a repris ma perle. Je veux la reprendre et le frère de Pima aussi. Il est aussi ici pour tuer Xiaoxing et Madame Tong. Je n'ai rien à voir avec ces bandits. Je ne veux pas faire couler de sang. Grand-père, dis, où ils sont les bandits? Je les ai arrêtés. Maintenant, la justice va s'occuper d'eux. Hé, tu vois? Que veux-tu? Ma perle, je veux cette perle. Tu es resté des années jardinier chez madame. Tu aurais pu lui demander cette perle il y a longtemps. Elle aurait refusé. Vos ordres? Ah oui, tu crois ça? Elle t'a donné au début une pipe. Et quelques jours plus tard, cette bourse. Oui, alors? Tu n'as rien dit. Où est ma perle? Attends, Lord et Madame Tung ont toujours été honnêtes. Regarde le gland, là, de ta bourse. Comment a-t-elle su? Elle savait, quand tu es venu, t'engager qui tu étais. Voici ses instructions. Elle pardonne aussi et a demandé de vous rendre à tous votre liberté. Relâchez les enfants. Tante Yuku, où étiez-vous passé? Si œil du roi ne nous avait pas sauvés, eh bien, nous serions morts. Œil du roi? Pardon. Je suis un imbécile. Je vous en supplie, laissez-moi revenir chez Madame Tung. Comme jardinier, je vous en supplie. Œil du roi, nous remercions Madame Tung. Nous la remercions de sa bonté. Nous promettons de ne plus jamais l'ennuyer. Tu sais, j'ai arrêté les exercices et l'entraînement du kung-fu. Je voudrais pouvoir recommencer avec Xiaoxi. L'histoire est terminée. Comment ça? Nous, on veut savoir comment s'appelait Monsieur King. Il s'appelait le tigre. Est-ce que l'œil du roi connaissait le kung-fu? C'était le plus fort de tous. Personne n'est jamais arrivé à le vaincre, mais il n'aimait pas se battre. S'il s'était battu avec Monsieur King, qu'est-ce qu'il aurait gagné? Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il aurait gagné? L'œil du roi était toujours le plus fort, car il était la justice et il gagnait toujours. C'était un homme très généreux, il était bon. Il était bon parce qu'il aimait son prochain et cherchait à le mettre dans le droit chemin. Madame Tung était aussi une femme très généreuse.
Mais l'histoire est terminée, je m'en vais. Vous devez rentrer chez vous. Ah, il est tard et vos parents risquent de s'inquiéter. Monsieur, Longy, est-ce que vous nous raconterez une autre histoire demain? Oh oui, voudrez-nous Répondez, Longy. Oui, nous voulons une autre histoire demain. Nous verrons. Rentrez chez vous. Longy, vous viendrez demain. Nous, on veut écouter une autre histoire. Et on va rentrer, s'il vous plaît. Si j'ai le temps. Alors, au revoir, Longy. À demain. Merci. Au revoir. Et merci. Étudiez bien et obéissez à vos parents. Oui.